Bonjour, chers amis, c'est encore un plaisir de vous savoir très nombreux derrière vos écrans pour suivre encore Aide TV. Et aujourd'hui, je reçois pour vous une personnalité assez particulière, une personnalité qui n'est plus tellement à présenter. C'est effectivement Monsieur Berthème Mpaka. Berthème Mpaka, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanvi. Voilà, Berthème Mpaka, vous êtes sénateur au Parlement fédéral. Vous siégez au Parlement Wallonie-Bruxelles. Vous siégez aussi au Parlement bruxellois, où vous avez à un moment donné été aussi vice-président. Mm-hmm. Et vous êtes conseiller municipal à la ville de Bruxelles. Mm-hmm. Et vous êtes professeur d'économie en congé politique à la Haute École du Hainaut. Mm-hmm. C'est bien ça. Voilà, mais vous êtes aussi le premier noir, le premier black en tout cas, à avoir été élu comme conseiller communal à une époque à la ville de Bruxelles, et qui a su atteindre un niveau élevé. Vous étiez aussi le tout premier échevin noir, aussi toujours dans la ville de Bruxelles. Quel est votre secret? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui peut justifier en tout cas cette particularité à votre niveau? Mmh. Ah oui, je vous remercie pour votre question. En effet, j'avais fait un choix un jour. Mon père a été député dans la sous-région de Louloua, qui regroupe le territoire de Demba, Dibaya, Kazumba, machin, au Kassa occidental, pendant des années. Et puis, étant immigré, comme beaucoup de Congolais dans ce pays, j'ai milité d'abord au PDC de Papa Idowu avec André Bobolico et tous les autres, y compris M. Le Sembe, qui est rapporteur au Parlement du Sénat congolais aujourd'hui. Et puis, un jour, j'ai été contraint de quitter la politique congolaise avec Albert Mbeki, notamment, qui est ministre des Finances aujourd'hui, et d'autres. En étant contraint de quitter la politique congolaise, j'avais une passion pour pouvoir m'engager en politique, et pas pour des besoins personnels, parce que j'étais déjà professeur dans une autre école et je dirigeais pas mal de petites institutions sur le côté. Alors j'ai pensé qu'il y avait besoin que la communauté subsaharienne africaine puisse participer dans ce pays à la prise de décision de la vie politique belge et des choses qui les concernaient. Voilà comment est-ce que je me suis engagé en politique belge. Mon secret pour être le premier, c'est-à-dire... Il y avait dans ma démarche un besoin d'innovation. Je l'ai souvent répété en disant ce que je voulais, donner un électrochoc aux Belges blancs de ce pays pour dire qu'un noir n'est pas toujours ce qu'on imagine qu'il est, c'est-à-dire nous jouissions de mauvais préjugés du style que nous étions fainéants, que nous n'étions pas assez rigoureux pour gérer la chose publique, que nous n'étions pas des gens impliqués pour l'intérêt collectif. Donc en le faisant, je voulais montrer à mes concitoyens belges qu'un Congolais d'origine, un Belge d'origine congolais, pouvait aussi bien servir la Belgique que les Belges blancs ont été construits la ville de Kinshasa, de Likasi ou de Kananga, la ville originelle de mes parents, en essayant d'apporter mon savoir, ma disponibilité, ma loyauté, ma fidélité à ce pays, qui m'a d'abord donné un diplôme universitaire, parce que ça coûte cher de former des universitaires, dans mon cas qui m'a donné ma femme, et qui m'avait donné aussi l'opportunité de participer. Donc je voulais vraiment le faire en me présentant au niveau municipal. En le faisant, j'avais un deuxième objectif, c'était celui de pousser tous les jeunes Africains, essentiellement des Congolais, pour dire qu'on peut être d'origine congolaise, rwandaise, burundaise, ougandais ou même égyptien, comme nos confrères marocains qui étaient déjà impliqués en politique, qu'on peut s'impliquer, qu'il fallait casser ce qu'on appelait ces fameux plafonds profonds. Voilà pourquoi est-ce que je me suis engagé. Et puis, dernière raison, je me disais que ça aurait fait plaisir à mon père, qui a été toute sa vie parlementaire, fils des chefs de chefferie, et à mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière, qui n'ont jamais fait d'autres métiers dans leur vie que s'occuper de la chose publique. Ok, mais on a vu quand même, par rapport à votre parcours politique, on a vu une croissance, une progression assez extraordinaire. Vous avez eu à jouer même un rôle très, très, très important de manière directe ou indirecte au sein même de votre parti, le CDH. À un moment donné, même, vous avez, avec les voix que vous arriviez à récolter, vous avez boosté le CDH. Donc on a vu qu'à un moment donné, il y a eu une croissance, vous avez atteint une sorte d'apogée, et puis du coup, c'était une sorte de chute. Qu'est-ce qui peut avoir causé cette chute, alors que ça aurait quand même été intéressant de maintenir un peu ce niveau et continuer à motiver la jeunesse telle que vous l'évoquez tout à l'heure. C'est tout à fait naturel. Hein. Donc il faut avouer que quand je suis rentré au PSC, Parti Social Chrétien Belge, je sortais du PDSC, Parti Démocrate Social Chrétien Congolais, n'est-ce pas? Et le PSC allait dans l'opposition en 1999 quand je me suis présenté sous la liste. J'ai pris un parti qui était malade à l'époque. Il n'y avait que 4 ou 5 élus dans la région bruxelloise.
J'ai pris un parti qui était en souffrance parce que je n'étais pas venu pour pouvoir profiter du gâteau que les autres avaient déjà fait, mais je prenais un parti qui était en chute à l'époque pour pouvoir trouver ma place plus facilement. Et avec Joël Milquet, Bernard Loudian, l'actuel président, et bien d'autres, Watley qui est en train de nous quitter, nous avons remonté les CDH, notre parti qui était dans l'opposition partout, y compris à la ville de Bruxelles, à rentrer dans la majorité en région wallonne, en communauté française, au fédéral et à Bruxelles, étant donné que nous avons été un peu chassés du gouvernement en 99 parce que les autres partis libéraux et socialistes voulaient faire passer les lois telles que sur l'euthanasie, sur la libéralisation des cannabis et sur toute une série de questions éthiques. J'ai choisi ce parti-là. Vous avez raison, il y a eu une grande progression parce qu'il y avait une participation, un engouement. Je peux dire aussi que j'étais un peu seul parmi les Africains. Et puis, viennent les difficultés du moment. Nous n'avons pas chuté totalement. Nous sommes dans l'opposition au niveau fédéral et dans l'opposition au niveau de la ville de Bruxelles où j'étais au pouvoir pendant 9 ans. Comme je fais la ville de Bruxelles. Mais je ne parle pas du parti CDH de manière générale. Mais de ma propre carrière. À vous, voilà. Je trouve que pour un noir venu du Congo, Dieu m'a donné la grâce d'occuper toutes les fonctions dans la vie politique belge, sauf d'être ministre. Et quand on a été chevin de la ville de Bruxelles, ceux qui connaissent la politique en Belgique vous diront que c'est l'équivalent d'un poste de secrétaire d'État au niveau fédéral ou au niveau régional. Donc on ne dort plus en rêvant d'être absolument ministre un jour en Belgique. Je crois que j'ai atteint le sommet, si je peux dire comme ça, d'un parcours politique traditionnel des Belges blancs, qui les sont sans jamais avoir été ministre. Je vais citer quelqu'un comme par hasard, José Arens, qui est dans mon parti, un personnage très respecté, des barons comme des Trémery au CDH, que je vais citer, qui n'ont jamais été ministres, mais qui ont fait tout le parcours, qui ont été respectés. Nous faisions ici avec des gens comme des Marcours au Parti Socialiste, et je peux en citer dans tous les partis où on trouve des gens mais très puissants, qui ont fait un parcours complet, qui n'ont jamais été ministres, parce que les places des ministres sont aussi comptées, et c'est à la discrétion du président, ça ne dépend pas au nombre de voix. Pour ce qui me concerne, je pense que l'élection précédente, et c'est un secret pour personne, c'est que j'ai fait un nombre de voix qui n'est pas équivalent à ce que je faisais avant. Il faut avouer, ma lecture est la suivante, c'est que j'ai fait l'objet d'une... Je symbolise le pouvoir à un moment donné, je ne dis pas qu'il y a l'usure du pouvoir, mais... À un moment donné, je symbolise le Congolais qui rencontre les Belges qui soutiennent telle ou telle politique en Afrique ou au Congo ou pas. J'ai fait l'objet d'une contre-campagne de plus en plus croissante depuis 2009. J'ai fait l'objet de contre-campagnes récurrentes. Mais à quoi est dû ce contre-campagne? Les contre-campagnes sont dues au fait que les concurrents à l'intérieur du parti, à l'extérieur du parti, ont suscité des passions et des vocations dans la communauté congolaise en disant chacun qui s'ennuyait ou qui n'avait pas d'un projet politique ni professionnel, ce que mon PAC est devenu, nous pouvons le faire pour vous. Donc il y a eu beaucoup de candidats congolais et africains qui tous ont eu qu'un seul programme électoral, c'est-à-dire remplacer mon PAC. Devant autant de passion, autant d'engouement, c'est assez difficile de pouvoir résister, surtout quand on travaille d'une manière tout à fait artisanale, passionnée mais artisanale, c'est-à-dire qu'il y a, pas, il y a un parti derrière qui vous met sur la liste, mais il n'y a pas des institutions qui vous veulent faire de vous ministre ou député, absolument. Vous travaillez sous base de votre conviction personnelle. C'est difficile de résister à des machines électorales ou des machines de contre-campagne, j'appelle ça des machines de contre-campagne, où tu avais 40 candidats d'origine congolaise qui, à Bruxelles, étaient tous candidats au même poste, qui n'ont qu'un seul programme. Quand ils rentrent dans les maisons des Congolais, ils disent « il était, il n'a pas fait assez pour les Congolais ». Pourtant, il n'y a pas des Congolais qui ont facilité l'obtention de papiers autant que j'ai pu le faire. On va revenir sur tout ce qu'il y a eu comme réalisation de Bernard Mpaka par rapport à sa communauté congolaise. Mais je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à votre militantisme. Tout ça, vous déclarez, je cite, que je ne suis pas un politicien, mais un militant qui assure des fonctions politiques. En effet, vous avez bien lu ma petite biographie, si je peux dire comme ça. Mon objectif était un peu de Dieu m'avait donné et m'a donné, j'espère encore, la facilité de pouvoir le faire. Je l'ai fait avec une telle facilité que certains ont pensé que tout le monde pouvait le faire. Et dans cette facilité, je m'étais fixé comme objectif de démystifier le pouvoir, le banaliser, pour dire que les hommes qui vous dirigent sont des gens normaux comme vous. Donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas un homme politique, parce qu'un homme politique fait beaucoup de compromis. J'en ai fait aussi certainement. Que j'étais un militant qui assumait des fonctions politiques, c'est-à-dire que j'avais une cause. Quand j'ai fait ces déclarations, et je continue à y croire, mon objectif principal n'était pas de vivre de la politique ni d'en faire un métier à temps plein.
parce que Dieu m'avait donné la grâce d'avoir un diplôme universitaire à l'université de Montsenot, mais surtout de me donner l'opportunité de pouvoir donner cours dans une école supérieure en Belgique, n'est-ce pas, pendant des années. Je n'ai pas fait ça pendant 3 jours, mais je l'ai fait pendant 12 ans. Donc la politique, quand je me suis engagé, c'était pour inciter les autres à pouvoir la faire. Ça m'a un peu rattrapé parce que le nombre de candidatures des Congolais qui ont commencé à faire la politique en ayant cet objectif. Finalement, c'était un mal nécessaire. D'une part, le nombre de Congolais contribue au fait que vous avez une sorte de décroissance, mais d'autre part, vous atteignez l'objectif en disant que vous êtes un militant. C'est assez, paradoxal. C'est comme on dit, je souhaitais que les Congolais deviennent des acteurs politiques en Belgique et peut-être en Europe ailleurs. On nous dit d'ailleurs qu'on a un adjoint en maire à Lyon, que je ne connais pas personnellement. J'ai souhaité que ça se fasse comme ça. Et puis après, ça m'a en effet rattrapé dans le sens que ça a diminué, ça a augmenté le nombre de candidats, mais ça a diminué la masse électorale dans laquelle on travaillait. Mm-hmm. Et si je survis encore politiquement aujourd'hui, c'est grâce à certains Congolais qui ont compris les enjeux, qui continuent à voter pour moi, qui me soutiennent. Et je leur dis merci par la grâce de Dieu. Et c'est à cela que je voudrais, pour cela que je voudrais continuer à me battre pour ne pas le décevoir. On parlera de manière assez précise de la communauté, de la manière dont elle peut bien soutenir ou pas Bertel Mpaka. Mais quand on voit un peu votre passage, par exemple au niveau de l'échevinat de Bruxelles, il y a eu certains épisodes qui sont restés un peu ambigus pour les Congolais, par exemple. Il y a eu un moment donné où on reprochait à Bertel Mpaka, par exemple, d'avoir dépensé 33 000 euros de téléphone pendant 20 mois. On reprochait à Bertel Mpaka un voyage controversé à Tripoli, financé par Kadhafi. Alors tout ça, c'est aussi des choses qui sont restées un peu ambiguës dans les têtes. On parlait aussi que Bertel Mpaka, qui essaie d'interpeller, qui a manifesté de l'homophobie pendant un conseil communal. C'est toutes des choses comme ça qui laissent un peu des questions ouvertes au niveau des Congolais. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Monsieur Tambi, merci de cette question-là. Vous devez savoir qu'un noir qui, pour la première fois, s'invite dans l'arène politique ici au Sénat, où nous sommes et ailleurs, n'était pas attendu. Tout à l'heure, je vous ai dit que le nombre de voix de Bertel Mpaka ont un peu diminué à cause de la dispersion des voix des Congolais. Je vous ai profité pour terminer la réponse en disant la conséquence, c'est que XL est une commune qui a 45 conseillers communaux. Sur les 45, il y a 5 Africains, pas un seul Congolais. Et la masse congolaise dans la ville. 45 conseillers communaux. Sur les 45 conseillers communaux, 5 noirs, pas un seul Congolais. Ça, c'est la conséquence de la multiplication des candidats congolais, mais surtout de l'acharnement et de la bêtise de beaucoup qui, au lieu d'être adversaires politiques, deviennent simplement des ennemis politiques, qui fait que la communauté congolaise n'est plus représentée en politique. À la date d'aujourd'hui, je suis le seul qui porte un mandat électif qui siège officiellement, si on peut dire comme ça, à cause de la multiplication de candidatures. Un Congolais qui s'invite dans l'arène du pouvoir, à ce niveau de pouvoir, au niveau national et régional, et même dans la capitale de l'Europe, en étant un chevin, qui s'invite, j'ai bien dit, n'est pas attendu. Moi, j'ai fait face, outre la diabolisation, peut-être que certains ont voulu faire de moi, mes adversaires politiques, mes concurrents, et même, je peux dire, certains amis politiques, y compris dans le même parti, en essayant de te peindre comme un homme, controversé. J'ai fait face, non seulement à cette espèce d'ignorance dans ma communauté, dans laquelle je suis issu d'une certaine catégorie de gens qui ont fait beaucoup de propagande anti-Mpaka, mais j'ai fait face à l'opinion publique et aux médias et à l'élite et aux intellectuels belges des souches eux-mêmes. Vous savez, M. Tambi, on n'a pas dit seulement que j'ai dépensé 33 000 euros de téléphone, n'est-ce pas, sur 20 mois, c'était sur 3 ans. J'avais payé déjà 12 000 euros, ce n'est plus 33, c'est 20 000. Et quand on divise ça sur toute la durée de la législature, ça représente 4 000 euros de téléphone ou 5 000 euros par an. Donc, j'ai dû faire face à la presse. La presse, et c'est ça l'handicap que constitue le plus gros handicap pour un noir qui fait la politique en Belgique, ce n'est pas avoir de beaux-pères qui soient patrons de la RTBF, de ne pas être marié avec une épouse dont la mère est journaliste ou est dans certains milieux, sphères, dans certains ordres, si je peux me dire comme ça, pour amortir les chocs contre vous. J'ai fait l'objet d'une campagne de démolition de nos médias et des médias belges, comme je crois que peu de Congolais pourra en faire face aujourd'hui dans la vie politique belge. Quand vous savez que 80% des Congolais sont des pentecôtistes, vont dans les églises pentecôtistes, que le plus grand journal, la DH, pour ne pas la citer, met votre photo le jour de l'apparition d'Harry Potter, tirage 500 000 exemplaires,
Toutes les radios le matin servaient pour dire Mampak a fait venir un marabout dans son cabinet de l'hôtel de ville. Bissoba Congolais, nous les Congolais, nous avons toujours tendance que quand on fait la politique, on doit avoir une force surnaturelle quelque part. Ce n'est pas le cas pour Bertrand Mampaka. Non, je n'ai pas de fétiche, je n'en ai qu'un seul, c'est ma Bible, hein, n'est-ce pas? Et vous savez que quand les médias européens écrivent ça, dans le subconscient de beaucoup de Congolais qui viennent dans une culture dans laquelle parfois on associe le pouvoir à un peu de magie, ça fait beaucoup de dégâts. Les gens ne votent plus pour vous. Donc j'ai été combattu par la presse locale, de chez nous, pour qu'on passe, pour dire la vérité. Une élite médiatique qui voyait dans mon score un danger électoral en termes de troubles de l'ordre public politique établi, n'est-ce pas? Il y a des gens qu'on n'empêche pas d'être candidat, mais qu'on ne souhaiterait pas ne pas voir être élu. On l'a jeudi 100 fois, avant que je mette mes pieds ici, dans cet hémicycle, par la grâce de Dieu. Donc, ce qu'on vous a raconté avec le téléphone, c'était des cabales, ce qu'on appelle le contre-campagne. Mais quand je suis allé voir Kadhafi, j'ai été voir Kadhafi avec l'autorisation de la présidente de mon parti, Joël Milquier. Et je me souviens qu'il neigeait ce jour-là. J'étais sous le pas de sa maison, il y avait la neige. Je lui dis, je pars demain à Tripoli. Pourquoi à la Tripoli? Pour parler des problèmes qui se passent aujourd'hui. De l'immigration clandestine, des drames humains de tous les gens qui mouraient dans les déserts libyens, n'est-ce pas, pour venir en Europe. L'histoire nous a montré que Kadhafi avait raison de vouloir aider l'Europe à ce que nous puissions connaître les drames qu'on connaît dans les mers aujourd'hui. Et Joël Milquet m'avait autorisé à partir parce que tout simplement, un mois plus tôt, Van Rompuy, président de l'Union européenne, y avait été. Comment voulez-vous que moi, simple parlementaire ou échevin, je puisse refuser d'être invité à clôturer un sommet important sur l'immigration qui posait déjà problème au niveau de l'Europe. J'avais été appelé, pas par Kadhafi, par cette organisation, où je crois que j'ai fait du bon travail pour clôturer ces colloques, n'est-ce pas? J'ai oublié le nom de cette institution marocaine, cette institution libyenne qui a disparu, n'est-ce pas? J'avais été invité dans ce cadre-là. Je crois que ma prestation avait été largement appréciée d'ailleurs par le guide de Kadhafi. Oui. Et qui m'a encouragé à poursuivre la politique belge. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'on a fréquenté Kadhafi, parce que quand on voit ce qui se passe en Afrique du Nord, en Afrique, dans le Sahel aujourd'hui, avec Boko Haram, avec ACMI, avec Al-Qaïda, même dans le Nord, je crois que l'Occident, et particulièrement Nicolas Sarkozy, a commis une erreur stratégique de s'acharner sur un homme qui était fantasque, n'est-ce pas, mais qui, quelque part, contribue à mettre un peu de l'ordre. Et l'Union africaine aujourd'hui regrette, le pétrole libyen est toujours là, il est toujours exploité, mais sauf qu'il ne paye plus le fonctionnement de l'Union africaine, n'est-ce pas? Les Africains n'ont plus d'institutions. Est-ce que Kadhafi était si mauvais que ça? Depuis combien de gens sont-ils morts? Donc je peux être fier en disant que je n'ai pas fréquenté le diable qu'on nous peint aujourd'hui. Et puis on a tous la liberté. Qui suis-je, moi, à côté de Sarko, qui l'avait vu, à côté de tous les autres dirigeants du monde, tous les grands du monde. C'est un sujet qui peut vraiment nous amener d'ailleurs à aller en profondeur et évoquer ça de plusieurs manières aussi, mais on va continuer un peu à découvrir certaines choses en vous. C'est déjà bien de pouvoir avoir de l'éclairage sur ce dossier qui est resté un tout petit peu ambigu, du moins par rapport à nos communautés et tout ça, mais on a aussi vu que pendant votre parcours, vous avez écrit un livre, un livre, Obama, la victoire de la méritocratie. C'est quoi? C'est que vous êtes juste fanatique d'Obama? Ou bien vous pensez qu'il y a quelque chose qu'Obama a fait qui peut faire croire aux gens que voilà, il mérite quelque chose? Ou quel est le rapport plutôt entre ce que Obama évoque, enfin ce qu'Obama a dû présenter un peu comme sa politique économique aux États-Unis, quel rapport avec la politique ici en Belgique dans laquelle même vous êtes impliqué? D'abord, Obama a inspiré toute l'Europe. L'Amérique était mal vue. On oublie d'où on vient. Obama est comparé avec Roosevelt, qui a pris le pouvoir dans les mêmes conditions sur le plan de vie économique. L'Amérique était vomie de partout. Je crois que le clan Bush et leurs amis ont pendu Saddam Hussein. Je ne fais pas l'apologie de la défense des dictateurs, mais ils ont pendu Saddam Hussein en disant qu'il avait des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait pas. Je crois que le monde entier avait rejeté l'Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique est fréquentable. Obama avait une mission difficile. Je crois que certains médias sont assez injustes à l'égard de Barack Obama. Les résultats de Barack Obama sont exceptionnels aujourd'hui. En économie politique, on dit que quand tu as 5% de chômage, on appelle ça le plein emploi. Il a réussi à redresser l'Amérique économiquement, bien sûr, mais bien sûr, on peut lui reprocher de ne pas avoir consacré beaucoup de temps à l'Afrique et même un peu à l'Europe qui vit un peu mal aujourd'hui. J'ai écrit un livre sur Obama parce que je trouvais que l'histoire victoire de la méritocratie, qu'il y avait un message, qu'il pouvait être orphelin, être métisse, de père africain,
mais que le travail, la persévérance, la foi, la rigueur dans ce qu'on fait, même en prenant des risques parfois, peut toujours donner lieu à une récompense. Barack Obama n'est pas arrivé là parce qu'il était noir, mais c'est un des meilleurs que l'Amérique a pu disposer, même si pour nous les Africains il n'a pas apporté ce que nous espérions, c'est-à-dire la démocratie un peu partout, la fin des guerres. Si vous lisez mon petit livre que je n'ai plus relu depuis longtemps, vous verrez que je ne suis pas Nostradamus, mais j'avais, sur la politique étrangère de Barack Obama, j'avais décrit les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que Barack Obama va faire cesser les guerres partout, je dis que ça continuerait, dans un terme un peu plus précis que j'ai utilisé, comme cela se passe aujourd'hui. Il reste une référence, parce que moi j'ai été élu déjà en 2000, je crois que Barack Obama a été élu pour la première fois sénateur de l'État de Ohio en 2004, quand moi j'étais déjà un chemin à la ville de Bruxelles, n'est-ce pas? Il inspire parce que c'est un garçon brillant, moi je suis plus vieux que Barack Obama, il n'y a pas de comparaison. Moi je fais la politique dans un pays d'11 millions d'habitants, et Obama est élu dans un pays de près de 300 millions d'habitants. Et les moyens qu'il dispose ne sont pas ce que je dispose. Non, mais la comparaison, moi, je la voulais. C'est d'ailleurs ça qu'on va aborder tout à l'heure. C'était un peu. Vous êtes dans la politique belge. C'est-à-dire qu'au niveau du Sénat, vous influencez aussi. Vous allez influencer à votre niveau, n'est-ce pas, des paramètres de la politique générale au niveau de la Belgique. Donc c'était à ce niveau-là qu'on va arriver tout à l'heure. Et la question spécifique était de voir un peu par rapport à ce que a fait Barack Obama sur le plan, supposons des paramètres. Tout ce qui est paramètres macroéconomiques, l'évolution des paramètres macroéconomiques au niveau des États-Unis, est-ce qu'il y a certaines choses, certaines pratiques, certains aspects de la politique menée par Obama qui peuvent effectivement être appliqués ici, par exemple, en Belgique? Peut-être que vous avez remarqué quelque chose qui pour faire court, pour voilà. faire court, Damien, parce que nous sommes en plein débat aujourd'hui, on parle de l'austérité. Vous avez vu que Angela Merkel et ses amis anglais ont mis pratiquement la Grèce à genoux. Oui, on va en parler. La politique, aussi. La politique de l'austérité qui est menée par l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas celle que l'Amérique a menée, n'est-ce pas? Obama a sorti des milliards de sous, non seulement pour soutenir la banque, mais il a créé son programme d'assistance médicale qu'aucun président des États-Unis n'a jamais réussi. Et aujourd'hui, les conséquences, comme vous dites, par rapport aux paramètres macroéconomiques sont claires. Donc l'économie américaine se porte mieux que l'Union européenne, qui doit se battre pour essayer de colmater les brèches et éviter que la Grèce, le Portugal et d'autres pays ne puissent affaiblir davantage la monnaie européenne. Je pense que pour faire beaucoup plus court, pour ceux qui comprennent le langage que nous parlons, c'est-à-dire la macroéconomie comparative avec l'Europe et les États-Unis, l'approche à la sortie de la crise financière qui a eu de 2008 ou 2009, Barack Obama a fait les meilleurs choix que nous nous faisons ici en Europe. S'il y avait des choix à faire, c'est d'arrêter l'austérité, d'autoriser les dépenses budgétaires qui puissent être nécessaires, permettre au pouvoir public d'être des investisseurs, comme John Maynard Keynes l'a déjà décrite depuis longtemps dans ses livres, pour permettre à l'Europe de combattre le niveau de chômage. Vous voyez qu'en France, François Hollande se bat terriblement pour que ça puisse changer dans beaucoup de nos capitales. Et chez nous en Belgique, dans nos régions en Belgique, les taux de chômage réels sont effrayants par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Donc je pense que, je ne dis pas qu'on doit s'inspirer de la politique d'Obama, mais je trouve par exemple que le gouvernement actuel qui est au pouvoir, qui pour la politique de l'austérité, quoi qu'on dise, avec les mesures qui sont prises tous les jours, que ce soit par rapport à la réforme fiscale, en termes de taxes qu'il faut aller chercher chez les gens qui gagnent plus d'argent, ne permet pas d'assurer une meilleure redistribution. On va y revenir tout de suite parce que c'est effectivement un point. Nous sommes avec M. Bertin Mpaka, qui est sénateur. Nous sommes dans le Sénat belge. Nous discutons, nous échangeons avec lui sur différents sujets. Là, nous venons de parler un peu de lui, mais nous avons prévu de parler effectivement de la politique belge. On a aussi prévu de parler un peu, puisqu'il est d'origine congolaise, de son point de vue sur l'actualité au Congo, sur la diaspora congolaise, tout ça. Là, nous, comme on a déjà commencé à parler de tout ce qui est politique belge, tout ça, aujourd'hui, le CDH est dans l'opposition, plus ou moins au niveau fédéral. Et quels sont, selon vous, les reproches? Vous aviez déjà commencé à en parler un tout petit peu, les reproches ou des remarques que vous faites par rapport à la politique appliquée actuellement par ceux qui sont là, par rapport évidemment à la relance économique, au redressement socio-économique au niveau de la Belgique. Quels sont vos reproches? Je suis dans un parti qui s'appelle CDH, Centre démocrate humaniste. Les mesures qui sont prises ne vont pas dans le sens de soulager la misère de tous nos concitoyens belges. Le taux de pauvreté dans ce pays est en train d'augmenter tous les jours. Et chaque fois qu'il y a une mesure qui est sortie, c'est davantage aller contrôler. On ne refuse pas le contrôle, il faut préserver le modèle social que nous avons, c'est-à-dire la sécurité sociale avec les pensionnés, les chômeurs, les invalides et tous ceux qui sont minimisés. Il faut préserver ce système. Mais nous trouvons que l'État ne met pas les moyens nécessaires pour pouvoir aller chercher l'argent où il faut. Quand on parle par exemple de la réforme fiscale, nous avons toujours
pensaient que les milliards qui sont consacrés à ce qu'on appelle les intérêts notionnels, c'est-à-dire l'argent qui est donné aux grandes entreprises lorsqu'ils investissent, cet argent aurait pu être réformé autrement, en termes de réforme fiscale, c'est-à-dire donner une petite partie aux citoyens qui vivent dans ce pays pour qu'ils puissent consommer. Et en consommant, ils peuvent relancer donc, la machine économique pour que la croissance puisse revenir dans ce pays de manière Mais la Belgique, on a toujours reproché à la Belgique de pouvoir mal se gérer. C'est qu'elle dépense au-delà de ses moyens. Déjà, ce stade... On ne demande pas un déficit budgétaire. On ne demande pas de déficit budgétaire. Mais par exemple, la TVA, la TVA dans certains domaines a été relevée aujourd'hui. C'est en Grèce que ça s'est passé, surtout en termes de hausse de TVA. Et certaines mesures qui touchent directement les concitoyens, n'est-ce pas, nous trouvons qu'il faut laisser vraiment du pouvoir d'achat aux citoyens, plus que le gouvernement actuel ne peut en laisser aujourd'hui pour que les gens puissent pouvoir relancer la machine économique. L'approche est différente. Oui. Pour nous, l'approche est différente. Elle est différente parce que l'argent, il est ailleurs. L'impôt sur la fortune, beaucoup de personnes l'ont évoqué par le passé. Nous estimons que ce sont des sujets qui méritent au moins d'être examinés aujourd'hui, d'être analysés. La réforme fiscale, bien sûr, nous avions proposé 25% de taxes sur le revenu des sociétés et tout ça. Je crois que les propositions qui sont sur la table ou les mesures qui viennent d'être prises, certains vont dans le sens que nous avons espéré, mais d'autres ne vont pas suffisamment loin pour pouvoir permettre à la Belgique d'avoir des moyens de pouvoir avoir encore ce que nous appelons, et c'est la chose à laquelle nous tenons beaucoup, c'est-à-dire la redistribution de la fortune, s'il y a une fortune, des moyens de production ou de bénéfices ou de la croissance économique qui est produite dans ce pays pour éviter que des centaines et des milliers de gens ne puissent vivre dans la précarité. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Nous avons des rapports sur la pauvreté qui ne cessent d'augmenter dans ce pays et dans les centres urbains, n'est-ce pas? Nous pensons qu'au lieu de faire de grandes communications politiques en disant, voilà, Théo Franken est en train de rapatrier les pauvres Somaliens, Congolais ou Éthiopiens, n'est-ce pas, que la priorité n'est pas là, même si l'immigration pose un problème. Aujourd'hui, qu'il faut la gérer, il ne faut pas oublier. Nous pensons qu'en termes de soins de santé, il y a des choses qu'il faut absolument essayer de préserver, que nous estimons que les mesures, toutes celles qui sont prises pour nous aujourd'hui, celles qui justifient notre action dans l'opposition, ne vont pas dans le sens que pour notre parti, le Parti démocratique dans lequel je suis, le CDH, les préoccupations que nous devons mettre au centre de toutes les mesures que nous prenons, c'est-à-dire essayer d'arriver à préserver et à garantir le bien-être de tous les citoyens belges qui vivent dans cet État, y compris les étrangers qui y sont. Oui, je comprends bien cette préoccupation, et ça, c'est un peu aussi la préoccupation, un peu la politique socialiste aussi, hein, c'est vraiment dans cette tendance-là. Je ne vous laisse pas dire ça, je ne vous laisse pas dire ça, donc... Beaucoup de gens nous collent au Parti Socialiste. Sachez une chose, c'est important que je dise à vos téléspectateurs, que la différence entre le CDH et le MR, donc le Parti Libéral, la différence entre le CDH, y compris le Parti Socialiste, c'est que nous n'opposons pas. Le Parti Socialiste voudrait la protection sociale, une catégorie sociale de gens, n'est-ce pas? Je ne vous invente rien, ni vous informe de rien sur les préoccupations essentielles des socialistes. C'était un peu opposé, les patrons avec l'ouvrier. Nous sommes un parti de synthèse. Et l'ouvrier, et le patron, et le médecin, et l'indépendant, et le commerçant, et tout le monde. Le CDH est un parti de synthèse, donc nous ne sommes pas un parti. C'est pour ça que nous sommes un parti du centre. Au centre, on trouve et des médecins, et des entrepreneurs, et y compris, ceux qui sont de la classe de travailleurs. Donc, pas de confusion entre notre conception, notre offre politique, qui est l'humanisme démocratique, n'est-ce pas, radical, comme dit mon président, n'est-ce pas, où nous sommes plutôt un parti de synthèse, comme le CDH l'a toujours été, où nos propositions doivent toucher l'ensemble des gens. Nous avons des mesures énormes pour les petites et moyennes entreprises aussi. On parlait tout à l'heure de la Grèce. Hein. La Grèce, aujourd'hui, vient de passer plus ou moins 5 ans d'austérité. On a imposé une austérité à la Grèce, c'est plus ou moins 5 ans. Mais pendant les 5 ans, ça n'a pas résolu le problème de la Grèce. Elle reste toujours hyper endettée et l'austérité, évidemment, a davantage appauvri la population. Cette austérité a permis de récupérer à peu près 90 milliards d'euros, mais qui n'ont pas permis à la Grèce de payer ses dettes. On est un peu au point de départ. Quel est, selon vous, en tout cas par rapport à la situation de la Grèce, la stratégie de sortie de cette situation assez catastrophique? Tout le monde l'a dit, je ne suis pas le seul spécialiste ou expert qui pourrait émettre un avis par rapport à la situation grecque. C'est un peu le problème aussi des pays sous-développés, que ce soit le Congo ou d'autres, c'est être capable de pouvoir lever l'impôt et de pouvoir créer des recettes publiques là où il en faut et de créer aussi des industries. La Grèce a comme industrie essentielle que nous connaissons tous, c'est le tourisme, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de très grandes productions sur lesquelles le gouvernement grec a une marge pour pouvoir mener des politiques fiscales suffisantes. Mais quand même, les observateurs et différents experts ont remarqué une chose, c'est qu'il y a des catégories sociales des indépendants où les citoyens en Grèce, comme en Belgique, comme ailleurs, qui ne sont pas soumis à la contribution pour pouvoir nourrir ou renflouer les caisses de l'État. Je pense que c'est une politique d'austérité aveugle, comme beaucoup de gens l'ont dit. Les spécialistes sont nombreux sur le sujet et les avis divergent et tous, certains sont très, très valables. La sortie de la Grèce de l'Union européenne, qu'est-ce que ça vous dit, la sortie de la Grèce de l'Union européenne? Juste pour terminer ce que vous me disiez, je pense effectivement que l'Union européenne doit continuer à aider la Grèce pour pas dans un plan d'austérité, mais pour permettre de la structurer convenablement, structurer son économie. Alors qu'on sait qu'elle n'arrivera jamais à payer ses dettes. Non, certains disent ça, oui, bien sûr, l'idée d'éponger les dettes, les Allemands ont eu des dettes épongées d'autres pays, la France a bénéficié d'un plan Marshall et d'autres pays, etc., etc., donc ce n'est pas une idée saugrenue. Je déplore la manière dont le ministre grec des Finances a été congédié, sans compter les autres gouvernements qui les ont précédés. Il y a des techniciens, des technocrates, que ce soit du Fonds monétaire international, de l'Union européenne aujourd'hui, qui prennent des mesures qui ont des conséquences sur le plan social énorme. Je ne sais pas si vous avez suivi les reportages sur la détresse humaine des gens qui sont là-dedans. On ne fait pas l'économie pour avoir des milliers de morts et des gens qui se pendent tous les jours. On fait l'économie et un pays, on le gère de telle manière à ce que les citoyens, le plus grand nombre en tout cas, puissent se retrouver et vivre dans la dignité humaine. Donc par rapport aux politiques d'austérité qui sont imposées aux Grecs aujourd'hui, je pense que l'Union européenne est en train de faire mauvaise route. Et que peut-être la Grèce, comme ils disent certains, elle n'a pas besoin des milliards de l'Union européenne, mais elle a besoin qu'on l'accompagne dans l'organisation de son économie, en permettant tout simplement aux entreprises qui doivent être privatisées, mais si elles doivent être privatisées, elles doivent être faites avec le soutien de la population grecque elle-même, dans l'intérêt des citoyens grecs, plutôt que pour payer les créanciers. Les banques ont fait une chute dans tous les pays au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Amérique. La crise financière de 2008 a été compensée par les pouvoirs publics. Je crois que, partant de cette expérience, l'approche, modestement, de là où je suis aujourd'hui, j'écoute plutôt les avis des gens comme Varoufakis et d'autres qui estiment qu'il fallait bien sûr éponger la dette grecque, pas toute, d'une certaine partie, mais apporter à la Grèce les moyens nécessaires, parce que les comptes ont été falsifiés de la Grèce, et apporter à la Grèce les moyens nécessaires pour pouvoir mieux structurer son économie de telle manière à ce qu'elle soit compétitive au sein de l'Union européenne. La sortie de la Grèce de la monnaie européenne, c'est tout simplement un début de détricotage de la zone de l'eurozone, et je trouve que ce n'est pas bon pour la monnaie européenne, donc pour nous, aussi, y compris les Africains, et surtout pour nous, les minorités qui vivons en Belgique, n'est-ce pas? C'est un détricotage, et si la Grèce sort, pourquoi pas les autres ne sortiraient pas? Il y a déjà des gens très riches comme les Danois qui ne veulent pas rentrer dans la zone euro aujourd'hui, qui sont dans l'Union européenne, mais qui ne rentrent pas dans la zone euro. Je crois que ce n'est pas profitable pour les minorités que nous sommes qui vivent en Europe aujourd'hui, car nous serons les premiers à être soumis aux secousses de frénésie ou de phonétiquement de l'économie européenne si la Grèce est mal cotée ou qu'elle détricote la monnaie européenne. Ok, merci beaucoup Monsieur Bertin Mpaka. Nous allons parler un tout petit peu de la République démocratique du Congo et puis un peu de la diaspora congolaise. Mais avant d'aller un peu dans tous les détails en rapport avec l'actualité politique actuelle, par exemple, j'ai vu que vous avez fait une étude, votre travail de fin d'étude qui tournait autour de l'impact, n'est-ce pas, de l'aide publique au niveau de l'économie congolaise. Ça remonte à... Voilà, ça fait très longtemps. Oui, donc, 184, il y a 21 ans. Voilà, donc l'aide publique octroyée au Congo et son impact sur le développement économique. Est-ce que vous avez la même vision aujourd'hui, la manière dont vous l'aviez abordée à l'époque? Parce que là, nous voyons qu'il y a, l'Union européenne ou d'autres pays, l'Union européenne, prenons l'Union européenne, qui fait effectivement de l'aide. Chaque année, il y a un budget qui va dans le contexte de l'aide. Mais ce qu'on a comme impression là-bas localement, c'est que 80% de cette aide, en fait, retourne dans l'Union européenne. Et ce n'est que 20% qui profite un tout petit peu à certains projets réalisés localement. Peut-on vraiment croire que cette aide que nous recevons de l'Union européenne contribue au développement économique du Congo? Alors, je suppose que vous n'avez pas eu le temps de lire ce vieux document que j'ai écrit quand j'étais encore étudiant, il y a donc 21 ans passé, et merci de me le rappeler, parce qu'on oublie bien souvent que de la coopération au développement, j'en ai fait un sujet de licence à l'Université de Mont-Saint-Loup. J'avais été très critique dans mes conclusions par rapport à ce mémoire.
où je constatais, comme tout le monde le savait déjà par ailleurs, mais par affirmation, que l'impact sur les populations de tous les programmes d'aide divers que l'Union européenne essentiellement, y compris la Belgique, faisait n'était pas très perceptible, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, le secteur médical, l'agriculture et les grands travaux, infrastructures divers, à l'époque déjà, n'était pas assez sensible. Aujourd'hui, si on me demandait de réécrire le même truc, je serais encore plus cinglant en disant qu'il ne faut pas aller dans tous les secteurs. Si on me demandait, si vous me posiez la question de dire s'il y avait un seul domaine dans lequel l'Europe ou la Belgique devrait intervenir au Congo, ou deux, je choisirais tout simplement l'éducation et la santé, point barre, n'est-ce pas? Car je considère qu'un pays comme le Congo ne doit plus être dépendant de l'aide publique au développement par le passé. Il suffit que le Congolais puisse avoir des bons administrateurs de territoire, qu'il puisse avoir des bons fonctionnaires, des gens qui font la planification, des bons fonctionnaires de finances pour pouvoir, comment dirais-je, percevoir l'impôt là où il faut, créer la croissance et attirer l'investissement dans ce pays-là, pour qu'un pays comme le Congo ne puisse pas avoir besoin d'aide. C'est comme s'il y avait parlé du Qatar aujourd'hui, en disant l'aide publique d'Europe au Qatar, vous n'en trouvez pas. Il n'y a que des investissements européens au Qatar et dans le Moyen-Orient, tels qu'Abu Dhabi, Dubaï, dans les Émirats arabes unis, y compris le Yémen et même l'Arabie saoudite. Donc le Congo est un pays qui est à la dimension de tous ces États-là, n'est-ce pas, qui a des ressources qui sont équivalentes, que ce soit en termes de richesses énergétiques ou de production d'énergie hydroélectrique avec Inga, etc. etc. Si quelqu'un veut aider le Congo aujourd'hui, il faut l'aider à construire le barrage d'Inga, par exemple, et développer tout son potentiel énergétique pour que le Congolais puisse exporter tout simplement son énergie à travers des pays voisins, des pays même assez lointains, de manière à pouvoir permettre de rentrer structurel. Si aujourd'hui l'Union européenne voudrait aider le Congo, moi je dirais ce sont les écoles qu'il faut construire un peu partout et apporter le transfert de technologies. L'Afrique a besoin de technologies, a besoin de savoir, plus que de aller montrer aux gens comment est-ce qu'il faut, comment dirais-je, construire une route, parce que les ingénieurs congolais, bien formés sur le territoire, pourraient construire y compris des barrages. Ok. Ces derniers temps, vous avez suivi comme tout le monde, hein, que actuellement on parle du dialogue. Donc il y a le parti politique UDPS, un grand parti d'opposition, qui a proposé un dialogue au pouvoir en place, évidemment, se basant un tout petit peu sur certains instruments internationaux, l'accord d'Addis Abeba et différentes résolutions issues de cet accord. Ce parti propose un dialogue politique qui peut effectivement permettre que les élections de 2016 se déroulent de manière apaisée, mais il y a certaines conditions qui sont posées. Et le parti exige aussi que ce dialogue se passe sous la médiation de la communauté internationale, ce qui n'est pas accepté dans le camp du pouvoir actuel. Quel est votre avis déjà par rapport à la démarche du dialogue? Faut-il dialoguer ou pas et pourquoi? Moi, je crois que la Constitution soit respectée, ce que je souhaite, ou pas. Je crois qu'il y a nécessité de discuter des conditions dans lesquelles les élections telles que sont prévues doivent se faire. Le gouvernement en place a le devoir et l'obligation de pouvoir faire respecter la Constitution et d'organiser les élections. Comment voulez-vous aller dans une élection avec des gens qui les organisent sans discuter avec eux pour se mettre d'accord? Ceux qui disent que par des dialogues sont des gens, à mon avis, n'ont pas compris l'équation telle qu'elle se présente. En toutes circonstances, je recommande profondément le dialogue. L'UDPS est un parti parmi les plus anciens, qui a été vidé de ses cadres pendant des années, mais qui a le mérite d'exister depuis longtemps. Si l'UDPS dit que nous devons aller au dialogue, c'est que, après les nombreuses expériences que le parti UDPS a fait au Congo, ils sont les seuls qui sont autorisés aujourd'hui, on l'a vu, au bénéfice de leur longévité dans l'opposition, lorsqu'ils acceptent d'aller au dialogue. Moi, je dis aux autres partis politiques qui ne veulent pas y aller, suivez l'UDPS, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont montrés très durs, très intransigeants depuis des années. Et si ces gens-là arrivent à la conclusion qu'il faut aller au dialogue, c'est qu'ils ont compris qu'on ne peut pas avoir une transition paisible dans ce pays-là sans discuter avec ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. L'intérêt du Congo et des Congolais, c'est de discuter avec ceux qui tiennent le pouvoir, de trouver ce qu'on appelle des compromis. Moi, je suis belge d'adoption en Belgique, c'est le pays qu'on appelle des compromis. On négocie, on partage le pouvoir. Même quand on l'abandonne, on fixe les conditions dans lesquelles on l'abandonne. La transition se fait d'une manière, transition, transfert de pouvoir, je veux dire, c'est fait dans des conditions pour lesquelles, dans le sens de, au-delà de la Constitution, voilà. Non. Mm-hmm. Okay. Je pense que les acteurs politiques aujourd'hui au Congo doivent avoir suffisamment en conscience que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui
dans l'intérêt de ceux qui veulent prendre le pouvoir. Ils peuvent discuter avec ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. C'est leur intérêt. Vous parlez du respect de la Constitution, le découpage territorial, la réforme territoriale. C'est aussi constitutionnel. Donc en 2006, avec la Constitution congolaise qui a été promulguée en cette année-là, il y a des dispositions, en tout cas légales, qui prévoient que nous passions en tout cas de 11 provinces à 26 provinces. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est quoi votre lecture de cette démarche-là? La Belgique, pays qui m'a accueilli, dans lequel je siège aussi comme parlementaire aujourd'hui dans l'hémicycle où nous sommes, a connu ce qu'on appelle des réformes diverses. La réforme à laquelle moi-même et Mijane, ma collègue congolaise, nous avons participé, on appelle ça la sixième réforme institutionnelle. Et cette sixième réforme institutionnelle est passée par la première réforme, la deuxième et la troisième. Si les Congolais m'avaient demandé mon avis à moi, j'aurais dit, le Kivu a été découpé en trois provinces. Il fallait respecter la Constitution, mais pas d'une manière brutale et immédiate. Je comprends et j'accepte aussi ceux qui disent que certaines provinces ne seront pas viables sur le plan administratif. Une réforme, ça coûte aussi de l'argent. Moi, je serais à la place des Congolais s'ils m'avaient demandé mon avis. Après les Kivu, on serait passé dans le Haut-Zaïre, le Katanga, n'est-ce pas? Et cela, faire ces réformes d'une manière progressive. Il n'y a pas besoin que toutes les élections provinciales se passent le même jour non plus. J'ai dit ça à mes interlocuteurs congolais jadis, que vous pouvez faire des élections provinciales rotatives. Vous les commencez au Katanga, vous les finissez à Mbujimayi, en faisant le tour du Congo dans une année, dans deux ans. Ici en Europe ou dans d'autres pays, on voit bien que toutes les élections de toutes les circonstances ne se passent pas toujours à la même date. D'ailleurs, nous en Belgique, les élections régionales ne se font pas toujours au même moment que les élections fédérales ou européennes. Municipal. Il y a des agendas qui sont différents. Vouloir tout organiser en une fois, je crois que c'est une erreur technique qui risque d'écouter très cher dans la transparence, n'est-ce pas? La manière de contrôler c'est que ce qui va se passer ou ceux qui seront élus. Oui, il faut respecter la Constitution et les Congolais sont aussi pris à leur propre piège car on ne peut pas demander de respecter qu'un seul article de la Constitution. Il faut respecter tous les articles de la Constitution et qui prévoient y compris les redistributions des 40%. Donc je pense, en effet, que ce n'est pas une mauvaise idée, mais que tout faire en une fois, c'est s'enlever les chances et l'opportunité de pouvoir réussir cette réforme institutionnelle congolaise qui puisse créer plusieurs provinces. En tout cas, voilà un peu mon point de vue sur la rapidité avec laquelle... Il y a plusieurs questions qu'on aimerait bien poser par rapport à ça, mais je crois qu'on a aussi très peu de temps. On va revenir encore une autre fois pour aller un peu en profondeur sur toutes ces questions qui concernent... Vous serez les bienvenus. Mais là, on va aller doucement vers la fin, mais on revient un peu par rapport à la diaspora, parce que votre masse électorale, elle est quand même suffisamment constituée aussi des Congolais. Et vous avez eu l'opportunité et cette chance de pouvoir diriger des populations des différentes origines. Donc, je voudrais bien savoir, quand même, par rapport à votre expérience, quel est votre avis personnel par rapport à la communauté congolaise, un peu en comparant avec d'autres communautés sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'intégration, sur le plan de l'accès à l'emploi, sur le plan d'efficacité de la communauté congolaise par rapport à d'autres communautés existantes en Belgique, selon votre expérience? La communauté congolaise souffre un peu de ce que, du même mal que la communauté marocaine. C'est-à-dire que lorsqu'une communauté étrangère est la plus importante, elle est moins structurée, moins organisée. Et ça, je crois qu'il faut pardonner aux Congolais. Et c'est pour ça que je fais un appel au gouvernement congolais. J'ai appris qu'il y a un ministre de la diaspora aujourd'hui et que l'exemple est à répéter un peu partout. Je pense que le ministre de la diaspora, si on lui donne les moyens de faire sa politique, devrait pouvoir aider les Congolais à se structurer à Paris, en France, à Londres, au Canada. Ce n'est pas le travail, par exemple, de l'ambassade, parce qu'au lieu de faire venir un ministre de la diaspora, l'ambassade, quand même, il y a un service culturel qui est censé... Un ambassadeur doit faire la représentation diplomatique et toute une série d'autres choses. Et ce n'est pas un emploi en double. Ils peuvent travailler en synergie et aider les associations, par exemple, des anciens des Kitambo, de pouvoir se structurer en Belgique, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Montréal et partout, les aider à pouvoir se structurer. Pourquoi? Parce qu'à travers ces associations, les gens peuvent s'entraider en Belgique, se donner des tuyaux pour pouvoir trouver un emploi. Parce que quand un Congolais travaille à Paris ou à Londres ou à Moscou, en 80% d'entre nous, chacun renvoie une petite partie de son revenu. On appelle ça le transfert, ça fait partie en économie, parce que vous me parlez beaucoup d'économie, ça fait partie des revenus officiels
d'un État. Le Maroc, par exemple, sa première ressource, ce n'est pas l'aide de la coopération, ni la vente des sardines, des dysphosphates et de l'orange, ni le tourisme, c'est d'abord les transferts. Les millions de Marocains qui se trouvent aujourd'hui en Hollande, en France et en Belgique envoient de l'argent dans leur pays, et ça constitue une première source de revenus. La Turquie ne serait pas devenue ce qu'elle est devenue s'il n'y avait pas des centaines de milliers de Turcs en Allemagne qui ont aujourd'hui permis le développement de la Turquie d'une manière très importante. Donc moi, je serai au gouvernement congolais, je serai Premier ministre congolais, je ne dis pas que je suis candidat, je serai Premier ministre congolais, je gérerai le potentiel diaspora, parce qu'un pays comme le Congo, à la différence de ce que Mobutu nous a permis tous d'avoir, c'est-à-dire une formation de masse, de qualité, qui nous permettait de terminer les humanités scientifiques, maths, physiques au Congo, ce qui est mon cas, d'arriver au mois de décembre ici et de réussir en première session dans les universités belges. Aujourd'hui, le Congo n'a plus les moyens de ces pays selon de formation. Comme on n'a plus les moyens de ces pays selon ce genre de formation, il faut encourager les Congolais qui ont acquis d'autres nationalités à pouvoir s'intégrer, à même pouvoir faire des études. Pour ça, je pense que l'État congolais doit dépenser de l'argent. Vous m'interrompez beaucoup trop. Ah oui. Donc, je ne finirai pas par ne pas être compris. Allez-y. Ouais. Donc, cette idée, elle est très importante. Elle est très importante, je le dis et je le répète, mais je répondrai à votre question si vous me laissez le temps. Okay, je trouve que le Congo a tout intérêt à ce que les diasporas congolaises à l'étranger, s'il y en a une, puissent pouvoir réussir là où elles sont. Plus il y a des infirmiers qui travaillent dans nos hôpitaux, plus il y a des transferts. Le Maroc nous l'a montré et d'autres pays. Cette diaspora congolaise n'est pas organisée à cause de ça. Elle était organisée autour des églises. On a découvert que certaines églises n'étaient pas viables ni fiables et n'avaient pas pour vocation de pouvoir assurer l'intégration de leur. Aujourd'hui, si vous comparez la communauté congolaise à Bruxelles, en Belgique, par rapport à la communauté guinéenne, les Guinéens sont organisés en fonction de leur province. Ils sont très structurés. La preuve, ce que vous trouverez des Guinéens de plus en plus, je ne parle pas des Marocains, je parle des Guinéens, de plus en plus structuré. Aujourd'hui, le seul échevin qui est dans cette région s'appelle Béa Diallo, qui est d'origine guinéenne. Ce n'est pas parce qu'il est soutenu par la Guinée, mais c'est parce que quand même, il a plus facile que moi d'aller remplacer les voix de quelques Guinéens qui votent pour lui à travers les associations. Moi, il n'y a pas une association de gens du Kassa occidental ou du Kassa qui m'a invité avec 200 personnes des Balouba pour que je puisse m'exprimer et leur demander d'aller faire campagne pour moi. Il y a plusieurs associations kassaïennes dans ce pays. Mais je ne les critique pas, mais il n'y en a pas une qui m'a mis 200 personnes devant en disant l'association kassoyenne du sud-est du Kassai soutient mon PACA parce qu'il est du Kassai et se lance en campagne avec 200 personnes devant un parterre, un meeting de 200 personnes. Ça, c'est le tribalisme. Je donne un exemple pour aller direct. Oui. Pour aller direct au fait, je serais parti dans l'association kassoyenne comme je serais parti dans l'association des Baboa, par exemple, que je connais mieux dans le Haut-Zaïre, et même des Mongos. Pour les avoir fréquentés ici, ou même des Bantandou quelque part, vous voyez, ou les Bazombo, etc. Les Congolais ne sont pas structurés à l'extérieur, et je trouve que c'est une nécessité aujourd'hui que le gouvernement congolais, de l'intérieur du Congo, puisse aider ses enfants ressortissants à l'étranger, de mieux se structurer, pour aller chercher les emplois dans tous ces pays étrangers. Ces emplois deviennent donc une source de revenus. Vous pensez que les Congolais, à eux seuls, sont incapables de se structurer dans les pays sans l'aide du gouvernement congolais. On sait qu'ils sont incapables de se structurer. Donc vous parlez à un spécialiste de la question congolaise à l'essai. Pardonnez-moi, je me bombarde. Je vous en prie. Voilà. Ça fait 16 ans, 17 ans que je bats le pavé, comme je dis. Je suis amatongué dans la rue, je serre les mains des plus petits des Congolais ou d'Africains pour pouvoir espérer avoir leur voix afin de pouvoir exprimer leur opinion dans les hémicycles belges comme nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas rencontré une association congolaise à part Banabandal, dont je fais partie notamment, suffisamment structuré, n'est-ce pas, avec des moyens de pouvoir soutenir un candidat pour pouvoir être élu futur au niveau municipal. En début de notre interview, je vous ai dit que la ville d'Ixelles, la commune d'Ixelles, c'est 5 élus noirs sur 45, c'est-à-dire plus de 10%, même dans une commune comme celle-là, il n'y a même pas de Congolais. Donc je trouve que la grâce que Dieu m'a accordée de devenir échevin, c'était une bénédiction que les Congolais ont eu d'avoir un échevin dans la capitale d'Europe, là où j'étais, y compris d'avoir un sénateur aujourd'hui, alors que les voix des Congolais ont été données à Laurent Louis. Ils ont été donnés à la NVA, d'autres ont été partagés avec le Parti Socialiste ou d'autres partis, l'FDF et consorts. Donc avoir encore un élu d'origine congolaise dans un hémicycle comme celui-ci, c'est encore un miracle. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant, je suis convaincu. Donc je pense que laisser à la diaspora congolaise l'opportunité de se financer, de s'organiser, de faire un service social qui puisse venir en soutien à des gens qui sont désemparés. Les Congolais ont beaucoup de problèmes comme tous les autres. Les femmes, les divorces dans nos ménages, dans nos taux aujourd'hui sont tellement élevés
que beaucoup de femmes se retrouvent tout seules sans enfants, sans mari de pouvoir donner l'éducation à leurs enfants. Ils font un service social qui soit payé, pourquoi pas, par les gouvernements congolais ou par des associations qui sont à la fois aidées et par la Belgique ou par la France ou par d'autres pays, mais aussi par les Congolais, par le gouvernement congolais. En tout cas, je me fais l'avocat ou je plaide pour le nouveau ministre de la diaspora congolaise que je n'ai pas rencontré, je n'ai jamais rencontré par ailleurs, n'est-ce pas? Je plaide pour qu'on lui donne des moyens dans ce gouvernement, dans le gouvernement à venir, pour que les choses puissent être organisées de manière à permettre aux Congolais qui ont quitté leur pays de retrouver un peu de dignité. Ils ont besoin d'être accompagnés dans les démarches administratives pour obtenir les papiers, pour trouver un boulot, pour être orientés. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas le tribalisme, mais c'est tout simplement l'ambassade, comme vous avez dit, le ministre dans ce pays-là, qui permet à ses ressortissants de son pays de pouvoir mieux réussir l'intégration dans le pays où ils sont, parce qu'une meilleure réussite permet aux enfants d'être formés, des ingénieurs qui finiront par travailler au Congo, mais qui sont formés avec l'argent des Belges ou des Français ou d'autres, n'est-ce pas? Moi, si j'étais à la place de certains, je procéderais aussi dans ce secteur-là comme ça, sans considérer les membres de la diaspora comme étant des concurrents ou comme des ennemis qui viennent prendre des emplois à Kinshasa, comme certains nous le font sentir aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait combien d'hommes politiques congolais aujourd'hui ont la chance d'avoir une femme et un enfant ici et qui peuvent venir se faire soigner. Encore pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un ami qui est professeur au Congo, qui est venu se faire soigner. On devait l'opérer pour 7 000 $ pour la prostate. Il est venu ici, il a pu aller à la mutuelle gratuitement alors qu'il travaille au Congo. Donc il ne faut pas couper ces liens-là. Il faut aider les Congolais ici à se stabiliser, comme disait un de mes collaborateurs. Cette stabilisation profitera à l'économie congolaise d'une manière directe, en tout cas. Même okay. On avance tout doucement vers la fin de notre échange, mais je suis attiré par une sorte d'insigne que vous avez sur votre costume. Il représente quoi? C'est quoi le sens? Déjà que vous êtes très souvent accusé d'appartenir à des loges, à des choses comme ça, et l'insigne m'intrigue un peu. C'est quoi? Donc voilà, c'est le seul moment où je souris dans votre interview. C'est parce que je suis un commun des mortels, un Congolais normal. Comme dirait François Hollande, un Congolais normal devenu échevin, vice-président de Parlement, sénateur, qui ne fait partie d'aucune loge maçonnique, ce qui est le droit de tout le monde, d'ailleurs, de faire ce qu'il veut. Moi, je n'en suis pas. Je ne condamne personne de le faire ou de ne pas le faire, ni d'être scientologue, ni autre chose. Tous les fantasmes qui ont été écrits dans les médias belges. Il y en a beaucoup, de la scientologie, au M23 que je finance. Je devrais financer mes campagnes. Elles sont de plus en plus chères que d'aller financer le M23 que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance de l'ordre de mérite. Donc c'est l'ordre du chevalier en Belgique. Je crois que je suis parmi les premiers, si pas le seul Africain à pouvoir l'arborer aujourd'hui, à procéder à l'avoir pour les services rendus à la nation belge, donc pour des gens qui ont fait des choses pour la nation. Donc c'est un privilège que je suis un des rares à porter aujourd'hui. Et donc si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir que la cérémonie a été présidée par la présidente, la nouvelle présidente du Sénat, qui est une dame très, très, très aimable et très, très correcte dans sa gestion de fait, que je suis vraiment fier d'arborer. Donc pour un Congolais venu d'ailleurs, qui a travaillé en Belgique, malgré tout ce qu'on dit de moi, n'est-ce pas, avoir donc, être donc gratifié de l'ordre du chevalier de Paul, c'est quand même, je veux dire, une grande fierté. Et je remercie la Belgique et mes concitoyens, surtout ceux d'origine congolaise qui m'ont accompagné, et aussi mes concitoyens d'origine marocaine qui sont très très nombreux à me porter et qui font vraiment avec conviction mes campagnes électorales, ainsi que les Guinéens, les Rwandais, les Burundais, toute l'Afrique qui est derrière moi, pour qu'en Belgique, dans ce Sénat, il n'y a que 60 sénateurs, un Belge d'origine africaine puisse être représenté. Donc cet insigne est une reconnaissance officielle de l'État belge, donc, qui est donc je suis chevalier de l'ordre de Léopold pour le travail que je fais. Les services rendus. Voilà, services rendus. Je n'ai pas tué pour la Belgique, mais j'ai battu le pavé et marché longtemps dans les rues pour amener mes concitoyens, surtout les nouveaux Belges, à pouvoir participer à la chose publique. Et quand on m'a donné l'opportunité, pendant 9 ans, de gérer la ville de Bruxelles, je crois que je revendique avoir donné au Diable Rouge, l'équipe nationale de Belgique de football, les infrastructures convenables pour qu'ils puissent se qualifier et devenir la 4e équipe au monde aujourd'hui au niveau du classement de la FIFA. Donc c'est Myrtin Mampaka qui revendique avoir bien entretenu le stade Roi Baudouin qui était à l'abandon quand je suis devenu échevin, d'avoir modernisé les quelques infrastructures qui y sont aujourd'hui pour que Vincent Compagnie et nos autres enfants puissent arracher les qualifications pour amener les Diables Rouges au niveau national. Ça, je trouve que c'est un truc pour lequel je suis très très fier. Les médias de mon nouveau pays d'adoption, la Belgique, ne le mettent pas suffisamment en valeur.
toutes les inaugurations que je fais. Avec des nouvelles infrastructures que j'ai construites, les 850 logements à la ville de Bruxelles que je fais, je ne suis jamais interviewé par ça. Et c'est, si fait, vous... c'est fait exprès, selon vous, c'est fait à volonté, c'est intentionnel. Je pense qu'il n'y a pas de racisme ni de discrimination, il ne faut pas exagérer, sinon je ne serai pas où je suis. Mais je crois qu'il y a quand même parfois une espèce de préjugé où on se dit si un noir le fait, pourquoi pas moi ? S'il le fait, c'est que c'est faisable, c'est que c'est facile. Hein, Obama a réussi des exploits en termes économiques, macroéconomiques, vous parliez tout à l'heure des indicateurs. Lorsqu'on prend le tableau des États-Unis, là où c'était rouge et orange, aujourd'hui c'est au vert, mais vert foncé, on n'applaudit pas Obama, on trouve encore des défauts à le trouver, etc. etc. Donc c'est pareil pour moi, en disant que les meilleures choses que j'ai pu réaliser en tant que chef de la ville de Bruxelles, les dépenses que j'ai pu faire épargner au pouvoir public, les réalisations que j'ai faites, on me donne rarement le micro pour inaugurer, pour faire venir sur la Belgique les plus grands événements, que ce soit le jumping international, du Usain Bolt que j'ai amené dans ce stade, le mémorial Vandamme, le meeting le plus important du monde que j'ai maintenu envers et contre tous au stade Roi-Baudouin, alors qu'on voit que ceux qui m'ont remplacé aujourd'hui ont perdu tous ces événements-là, faisant disparaître la Belgique sur la carte des événements sportifs. Et nos auditeurs sont en majorité d'origine congolaise ou africaine. Mm-hmm. C'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien retenir de ce qui a été fait par M. Bertin Mpaka par rapport à ces communautés, mais qui n'est pas connu effectivement, comme d'autres réalisations que vous avez déjà faites. Moi, je revendique pour ceux qui nous suivent, vos auditeurs d'origine congolaise, c'est que ma présence à côté de Joël Milquet, président du CDH, Melchior Watley, ministre de l'intégration à la place de Théo Franken aujourd'hui, a permis au CDH, envers et contre tout le gouvernement, de régulariser une fois 49 mineurs citoyens. Je n'ai pas de chiffres en tête. Le dernier, c'est au dernier gouvernement. Nous sommes sortis du gouvernement en 2014, donc c'est encore 2010-2011. De régulariser la dernière fois 58 000 personnes envers et contre l'avis du Conseil d'État. 58 000 personnes. 58 000 personnes. Dieu sait que les Congolais qui vous suivent parmi là où ils sont, certains pensent que Mukanda est commis droit, parce que j'ai vu beaucoup de candidats congolais sous vos médias qui venaient dire que le CPS était un droit, le chômage était un droit, la régularisation était un droit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement, ces droits sont arrêtés. Ce que je revendique en tant que Belge d'origine congolaise dans mon parti, c'est d'avoir amené l'ensemble de mon parti, parce que dans mon parti, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord non plus, mais surtout d'avoir convaincu Melchior Watley et Milki à l'époque, n'est-ce pas, y compris l'actuel président et tous les autres, de soutenir contre le VLD, contre la NVA, contre même le Parti libéral, dans le même gouvernement qui ne voulait pas que nous puissions régulariser ces milliers de gens. Dieu sait que votre fils n'a peut-être rencontré une fille dont le père a été régularisé par cette action-là, que Mpaka et Mijane, à l'intérieur du CDH, ont lourdement pesé dans les décisions qui ont été choisies par le CDH pour pouvoir soutenir cette politique d'ouverture en termes d'université. Mon parti est très mal payé par rapport à ça. Et je voudrais vraiment me faire l'avocat du diable et dire à mes concitoyens belges de souche du CDH qu'ils nous ont suivis dans cette politique d'ouverture et qui ont été choqués de voir que les Congolais, essentiellement, sont allés voter pour un bonhomme qui s'appelait, je ne sais pas qui, Laurent, je ne sais pas quoi. On lui a donné des voix qui ont disparu, n'est-ce pas ? Mes concitoyens blancs étaient choqués. Y compris les partis traditionnels belges, que ce soit les libéraux, les PS, ont été choqués de voir des Congolais aller voter pour des partis qui étaient séparatistes et qui aujourd'hui ont pris des mesures en fermant complètement les naturalisations, les régularisations et les différents domaines où les Africains pouvaient, comment dire, accéder soit à la nationalité ou séjourner en Belgique tout à fait librement. La communauté congolaise souffre aujourd'hui. J'ai des échos, j'ai des chiffres. La chambre de naturalisation ne naturalise plus pratiquement personne, n'est-ce pas ? Beaucoup de gens sont dans une situation outre le chômage, etc., etc. La politique que nous avions menée, d'être vraiment à l'écoute de tous les citoyens, qu'ils soient noirs, congolais ou autres, elle n'est plus en place aujourd'hui. J'espère que ceux qui nous écoutent et vos téléspectateurs qui nous suivent, s'ils comprennent tous un peu mon expression, même si elle est rapide, peuvent déjà commencer à faire la pédagogie aujourd'hui pour rappeler aux gens, quand on a la chance d'avoir un élu d'origine congolaise qui est en compétition avec des autres élus d'autres pays, comment est-ce qu'on peut aller en campagne contre lui ? C'est quelque chose de fou. C'est comme mes amis qui sont ministres à Kinshasa, à qui j'ai dit, et au Parlement, quand on a ses enfants qui sont canadiens, anglais, américains, suédois, hollandais, comment peut-on refuser la double nationalité aux Congolais qui, pour des raisons diverses, sont devenus européens à travers toutes ces nationalités ? Donc moi, pour résumer votre question, parmi les choses que je revendique dans le bilan qui est plus large, j'ai subsidié l'associatif africain. Avant, les Congolais n'avaient même pas droit à un centime. Je vais prendre au hasard. Vous connaissez l'association des mamans Manyang ?
Donc, les mamans Manyanga, sous ta poussée, eh bien, j'ai donné de l'argent pour qu'ils puissent se structurer, s'organiser et faire leurs œuvres caritatives au Congo. Par exemple, j'ai ouvert la voie de subsidiation aux associations africaines, n'est-ce pas? J'ai intervenu dans près de 10 000 dossiers, que ce soit de régularisation, de naturalisation, en matière d'emploi. Pardonnez-moi, Damien, je vais dire quelque chose. Il n'y a pas un Congolais de l'Amérique jusqu'en Russie qui a donné à son frère congolais autant d'emplois que j'ai pu donner aux Congolais dans la diaspora. Je le revendique. Prenez votre micro, faites un sondage. Nous sommes nombreux en Europe, n'est-ce pas? Tous ne sont pas sénateurs. Trouvez un Congolais qui a ouvert sa porte comme il a pu le faire, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. J'en suis très fier, très heureux. Tout ça sans avoir privé des droits aux Belges de souche qui nous ont accordé la nationalité et le droit de pouvoir vivre ici. Je pense que mon action politique a permis d'ouvrir, de créer une émulation. Mon action politique a donné des ambitions à d'autres, n'est-ce pas? Je trouve qu'elle n'a pas été fortement soutenue, surtout vers la fin, par rapport à certaines personnes qui auraient pu corroborer ou venir faciliter le travail, car les campagnes sont devenues de plus en plus coûteuses, difficiles, tout simplement parce que, au lieu d'être soutenue amplement, alors que la concurrence s'est multipliée avec les autres pays, j'ai vu beaucoup de candidats qui avaient un seul programme commun, comme je disais en début d'interview, c'est-à-dire que Mampaka disparaisse, comme s'il n'y avait qu'un poste pour Mampaka. Les Turcs en ont plusieurs. Ok, non, merci beaucoup Monsieur Bernard Mampaka. On est vraiment à la fin de notre échange. Je pense que vous aurez un mot de fin ou un appel à lancer, non seulement à la communauté congolaise ici en Belgique, mais aussi à la République démocratique du Congo. À la communauté congolaise en Belgique, je demande de faire le décompte, de constater la différence depuis que je ne suis plus échevin, entre autres, que Mijan n'est plus réélu, que Mandaïla n'est plus député. De faire un peu le décompte pour voir combien est-ce que les Congolais aujourd'hui sont un peu dans une espèce de désarroi en termes de référence par rapport à l'action politique que nous menions ici, qui avait donné un vie aux autres. J'espère que les pasteurs d'église et d'autres qui ont cru peut-être qu'ils étaient devenus des faiseurs de ministres ou de rois en Belgique vont retourner tout simplement à leur prédication. Certains ont été très compréhensifs, ont été des soutiens très, très actifs. J'espère que ceux qui ont tenté leur chance dans la politique belge, qui pensaient qu'il y avait de la place pour tous, ont compris peut-être que mieux c'est difficile. Et qu'à l'avenir, si demain il y a un Congolais quelque part, c'est un devoir, une obligation pour chaque membre de la diaspora, qu'il soit cadre ou pas, de pouvoir se mobiliser pour que le Congo soit représenté du moins dans le pays qu'il a colonisé, qui est la Belgique. J'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet-là plus profondément. Je pense aussi que c'est le devoir du gouvernement congolais, ou qui soit, que de pouvoir utiliser l'expertise de toute une série de Congolais qui sont en France, aux États-Unis, en Amérique, qui, eux, ne vont pas se présenter sur le plateau de télévision au Congo comme étant les représentants de la diaspora. Un Congolais qui est enseignant, qui fait son boulot, qui est gardien, qui est balayeur, il abandonne difficilement son travail de balayeur pour aller dire qu'il est devenu le patron de la propriété à Kinshasa. Je ne dis pas que tous ceux qui y vont ne sont pas des gens représentatifs, mais je pense que c'est un devoir du gouvernement actuel, du gouvernement à venir et d'autres, de s'intéresser sérieusement à cette source de revenus qui est le transfert des revenus congolais à travers ceux qui ont réussi ici. Qui ont réussi, qui se battent pour réussir. Un conseil que je donne à la classe politique congolaise, c'est que le dialogue est nécessaire. Je vous l'ai dit tout droit dans les yeux, je ne suis pas corrompu, du moins pas encore, jusqu'à présent. Je n'ai pas du tout été, je ne suis pas. Je parle comme un Belge d'origine congolaise qui a aussi son cœur dans ce pays qui m'a vu naître, à qui je dois aussi quelque chose. Le dialogue est indispensable. Mon rêve, mon bonheur, c'est de voir un jour une transition démocratique se faire au Congo, où le président Joseph Kabila, pour ce qu'il a fait, car à César, ce qui est à César. Je regarde RTNC tous les jours, je vois quand même des réalisations. Ça, ce sont des choses qui sont faites. C'est peut-être insuffisant. Mais pour que la première fois, un président congolais puisse vraiment assister et donner les flambeaux à son successeur, tout ça dans la paix la plus complète. Je dis à tous ceux qui ont peur pour leur position, mais ils ont beaucoup de chances de gagner les élections, comme Barack Obama disait. S'il se présente peut-être pour un troisième mandat, il va être élu, Barack Obama. Mais je parle à mes amis, les députés, les sénateurs et d'autres qui sont là, les gouverneurs, mais n'ayez pas peur. Vous avez beaucoup de chances de pouvoir être réélu, de faire la transition, accompagner ce pays. Et je pense que le président actuel rentrera dans l'histoire du Congo, si Dieu lui donne la chance, et je dis ça avec beaucoup de frémissement d'ailleurs, si Dieu lui donne la chance vraiment d'être le type qui a donné une impulsion en termes de conscience, de développement, n'est-ce pas, et d'assister à la passation du pouvoir de son successeur. Il rentrera dans l'histoire de ce Congo-là, s'il rentre pas dans l'histoire de l'Afrique, ce que je pense aura beaucoup d'impact. Vous savez qu'au Nigeria, le président donne
le pouvoir à celui qui le suit. On a déjà vu ça. Qu'au Sénégal, ça se passe. Mais au Congo, on n'a jamais vu ça. Et je pense que pour tous les amis qui sont là au pouvoir, je leur souhaite de vivre ce moment dans la paix, dans la transition, sans inquiéter personne. Les acteurs politiques actuels, vous n'allez pas tous les chasser. Les Mobutistes, il en reste. Le président Léo Kengo, c'est quand même un ancien Mobutiste. Il a bien géré le Sénat du Congo, non, aujourd'hui, sous cette République, non, ne fut-il pas Premier ministre. Donc, il restera des gens qui ont travaillé dans ce gouvernement, qui ont encore des rôles très importants à jouer dans une transition après le respect de cette constitution, dans une entente parfaite de tous par rapport à la communauté internationale. Eh bien, le gouvernement congolais ne veut pas qu'il y ait des médiateurs internationaux. Écoutez bien, Damien Toumbi, ça c'est un scoop que je vous fais. L'UDPS veut qu'il y ait des observateurs internationaux. Excusez-moi. Mais il y a des Congolais qui sont des internationaux, qui peuvent faire la synthèse entre des médiateurs nationaux, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et n'est-ce pas? Des Congolais qui vont être à l'étranger. Madame, allez, je vais lancer le nom de quelqu'un. Pourquoi Madame Cécile Kyenge, par exemple, qui a été ministre en Italie, ne peut-elle pas, n'est-ce pas? Je citais un nom, mais il y en a peut-être 10, hein, des personnalités au-dessus de tout soupçon, qui pourraient couper la poire en deux entre ce que l'UDB se réclame et ce que le gouvernement réclame. N'est pas avoir des observateurs internationaux, mais avoir des observateurs internationaux qui sont d'origine congolaise et qui ne sont pas partie prenante dans la course au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une innovation, quelque chose d'intéressant. Je crois que les Congolais auront à donner leurs avis. Effectivement, si vous avez des avis à donner à M. Berthe Mpaka, donc vous savez, contactez au numéro qui apparaît sur l'écran. Je viens d'avoir un échange très intéressant avec DTV, avec le sénateur Berthe Mpaka. Nous avons échangé sur lui-même. Il nous a présenté un parcours assez vraiment intéressant. Et nous avons parlé avec lui de la politique belge. On a évoqué la question de la Grèce. Et nous avons parlé aussi de la politique congolaise. On a parlé de la diaspora congolaise parce qu'effectivement, M. Berthe Mpaka, pendant 16 ans, a servi aux côtés des Congolais aussi. Et voilà, sa conclusion a été pour moi très émouvante. Donc, mais chacun de vous, chacun de nous reste libre de pouvoir apprécier tout ce qui a été dit. Et s'il y a une question quelconque, n'hésitez pas à contacter au numéro qui apparaît sur l'écran. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à très bientôt. Merci beaucoup, M. Berthe Mpaka. C'était un réel plaisir. Pour en tout cas, aux téléspectateurs de DTV que je découvre, bonne continuation à toute l'équipe. En tout cas, vous faites du bon travail et poursuivez comme ça parce que je crois que la presse était le quatrième pouvoir, c'est devenu le deuxième et nous avons besoin de votre information pour pouvoir construire une Belgique moderne et un Congo qui est sous les voies de la performance économique qu'on attend d'un pays aussi grand que celui-là. Et pour ça, les médias ont un rôle à faire et je souhaite vraiment de bien continuer dans ce secteur-là et d'avoir de réussite. Car le pays et les citoyens ont besoin de votre information. Ok, merci Mme Mpaka. Merci à Richard Richetempête, merci à Maître Edona pour son soutien et merci à vous tous et à très bientôt.